Hier soir, nous avons perdu le contact avec le relais de Visegrad. Signaux out à 2600. J'ai déployé plusieurs escouades d'intervention sur zone. Toutes ont depuis disparu. Bref, c'est à nous de jouer. L'ONI estime que le détachement d'une escouade spartane reviendrait à dilapider de précieuses ressources. Je ne suis pas d'accord. Commandant! Alors voilà notre numéro 6. Kat, tu as lu son dossier? Tout ce qui n'avait pas été raturé. Quelqu'un a revendiqué l'incident? L'ONI serait tenté de l'imputer aux insurgés locaux. Il y a 5 mois, ils nous ont joué la même sur Harmonie. Ils ont neutralisé un relais et raflé 2 cargos en cale sèche. Je ne tolérerai pas qu'ils récidivent ici. Reach est foutrement trop importante. Noble 1, je veux ce relais opérationnel. Bien. Comptez sur nous. On se revoit de l'autre côté. Hollande, terminé. Lieutenant. Commandant. Moi, c'est Carter. Leader Noble. Elle, c'est 4, Noble 2. Émile et Georges, 4 et 5. Vous venez avec moi, Noble 6. Lieutenant, je vais pas vous raconter de bobards. Vous remplacez une pointure et les gars auront du mal à accepter le changement. La Noble est de nouveau opérationnelle, ça suffit à mon bonheur. Encore une chose, j'ai lu votre dossier, même ce que l'ONI voulait enterrer. J'apprécie vos compétences, mais on joue ensemble. Pas de loup solitaire ici. C'est compris? C'est compris. Bienvenue à Reach. Écoutez, équipe Noble, on se pointe sur un avant-poste relais à 50 bornes de Visegrad. On fait simple. On débarque, on fait les présentations et 4 réactive le bordel. Déblayé, et je me charge du reste. Commandant, pourquoi les rebelles voudraient isoler Reach du reste des colonies? À l'occasion, posez-leur la question. On vient de perdre le contact avec le QG, chef. Canaux auxiliaires? Balayage. Négatif. Brouillage non identifié. Ok, on bascule en zone de non-transmission. Ce coup-là, le QG nous tiendra pas la main. Comme c'est dommage. Où est le reste de votre unité? On a été séparés. Et à la radio, ça avait l'air okay, de barder. Ok, Caporal, restez tranquille. On va vous dégoter un médic. Merde. Dégâts plasmiques. J'ai quelque chose. Je prends. Ça, c'est mon domaine. Contact, vivant cette fois. Allez, sors de là. Meren, Inen, Ne, Hagion, Begen. Tout va bien. On va pas te faire de mal. George, la tiens. Reste tranquille et je te lâche. Meg, Itvanak. Quelle est votre situation? On est sous le feu. Contact en approche. Il m'est passé devant. Permission de le filer. Négatif, 4. Restez à l'entrée. 2, occupez-vous d'elle. 5 et 6, en avant. Et après, vous revenez. Pour quand? Ça, c'est la question. Si vous voulez savoir quand cette station sera réactivée, 2 semaines au mieux. Les principaux composants de liaison ont été cramés au plasma. 2 minutes, c'est déjà trop. Justement, je m'introduis dans le noyau central pour établir une liaison directe avec le colonel Hollande. Vous me cachez la lumière, chef. Découvrez ce qu'elle sait.
C'est quoi ton nom? Tu es dans le coin? Anevem George. Char. Char, c'est pas trop Zotnev. Ton accent m'est familier. Chopron? Tangeri. Un ami à toi? Père. Shaun Alom. Désolé. Désolé de quoi? Visez-moi ça, si c'est pas touchant. Elle a perdu son père. Ce qu'il lui faut, c'est un suivi psy. Avec toi, ça fait deux. Vous deux, bouclez-la. Relevez-la. On abandonne le cadavre. Merci, chef. Signal. Faible, mais stable. Ça me suffira. Faites gaffe à ce que vous faites. La structure est foutrement instable. Je reçois à peine. Quelle est la situation? Terminé. Colonel, ici Noble 1. Aucune activité rebelle. Les Covenants sont sur Reach. Répondez. Répétez, Noble 1. Vous avez dit Covenant? Affirmatif. Situation Winter Contingency. Que Dieu nous aide. Alerte, Kilo 3-3 et Kilo 3-4. Votre zone d'atterrissage actuelle est non sécurisée. Bien reçu. Dot, stand-by pour mise à jour. Oui, commandant. Coordonnées reçues. Correction de trajectoire immédiate. La base forte de l'ONI est actuellement assiégée par un bâtiment Covenant de classe Corvette. La nature hautement stratégique du complexe interdit provisoirement le recours aux frappes orbitales. J'ai tenté sans succès de réunir des données précises sur les troupes ennemies, mais nos forces défensives sont clairement dépassées. L'ONI ordonne que l'équipe Noble intervienne pour sécuriser la base Sword. Ok, soldat. Pour l'instant, on est coincé avec ce ratio. L'objectif, c'est l'infanterie ennemie. Allons donner un coup de main à nos gars. 4, 6, c'est à vous. George, Emile, ensuite c'est à vous. On se bouge, lieutenant. Orbital est en place pour tirer. Magnifique, pas vrai? Ça mériterait une photo. Bien joué, au fait. C'est un plaisir. 5, 6, dirigez-vous vers l'aile scientifique. Le docteur Halsey veut un débrief et le QG nous met à sa disposition. J'ai bien entendu. Halsey, vous dites? Exact. Mobile vers position. La bonne blague. J'étais à sa botte la moitié de ma vie. J'ai réclamé votre aide, commandant, et je n'ai que faire d'un rapport sur des événements survenus sous mes yeux. Ce qu'il me faut, c'est un bilan détaillé de votre dernier engagement. George, ça fait un bail. Madame. Qu'as-tu fait avec mon armure? Je l'ai améliorée, rien de plus. Je vois. Le relais de Visegrad. Son central de données abritait l'un de mes xéno-archéologues, le professeur Laszlo Sorvad. Peut-être pourriez-vous élucider sa mort. S'il s'agit d'un civil d'une soixantaine d'années, il est mort perforé par une épée à énergie covenante. Des élites? Ils nous ont attaqués, nous aussi. Juste après qu'on a trouvé la fille de votre xéno-machin, madame. Elle se cachait dans... Peu importe. Dites-moi plus sur les élites.
Ils étaient trois, de classe Devo. On en a buté un, le leader à vue de nez. Des Devo, vous êtes sûr? Leur config d'armure correspondait. Leur bouclier idem. J'ai donné l'ordre d'abandonner la poursuite. Notre premier objectif est de réactiver le relais. Votre premier objectif? Vous êtes un Spartan ou un vulgaire pantin? Dame. Certains à l'ONI, moi y comprise, soupçonnent les Covenants de déployer des escouades d'élite pour retrouver plusieurs de leurs artefacts religieux. Les rapports indiquent que ces détachements sont toujours réduits, rapides, et presque toujours composés de dévots. Nul doute que l'abondance des données archéologiques les a attirés ici, et vous les avez laissés fuir. Nos ordres n'ont jamais stipulé de retrouver des données. Et d'ailleurs, nous avions des priorités plus urgentes. Comme donner l'alerte. La dernière archive consignée par le professeur Sorvad mentionne la découverte de données cruciales. Il n'aurait jamais employé ce terme à la légère. Espérons seulement que le module dérobé par votre officier renferme ces données. Kat ? J'ai été alertée dès que vous avez tenté d'accéder à son contenu. C'est la procédure standard pour toute intrusion. Ces données sont hautement classifiées. Votre curiosité pourrait vous expédier au trou. Vous la suivriez de près. Je vous demande pardon. La planète est sous le coup d'une procédure d'urgence. Nom de code, Winter Contingency. Vous savez sans doute ce qu'encourent les civils qui entravent une opération Spartan. C'est une menace, commandant. Un conseil d'amis, madame, rien de plus. Escouade, on décolle. Madame. Ce sera tout, George. Escouade, bravo au rapport. 3 et 6 en position. Ça commence à barder sérieusement par ici, Kat. Alors on y va. Signalez toute structure ou dispositif Covenant. Probabilité d'engagement direct. Bien reçu. Quand Kat a le dernier mot, ça se termine toujours comme ça. Tenez, ça vous sera utile. Des balles perforantes haute vélocité. Elles dérouilleraient un élite à 2 bornes de distance. Du premier choix. On reste en contact. Jackpot. Transmission visuelle. Tu vois ça, Kat? Confirmé. Contact relayé par Noble 3 et 6. Groupe d'assaut Covenant en visuel. C'est plus qu'un groupe d'assaut. C'est une armée d'invasion. Si on veut s'en sortir, va falloir qu'on s'active. Affirmatif. À toutes les unités Recon, repliez-vous. Le soleil s'élève dans quelques heures. Et la journée s'annonce agitée. Apparemment, la découverte faite par l'équipe Noble hier n'a rien d'une anomalie. Des détachements Covenant se sont déployés à notre insu, et nos positions du territoire Vieri sont attaquées, défenses orbitales incluses. Comme l'impose la procédure, nous ripostons sur tous les fronts. Noble a identifié des écrans de camouflage qui masqueraient le déploiement d'armées Covenant, et découvert une potentielle zone d'atterrissage destinée à d'autres troupes d'invasion. Leur origine reste à déterminer.
Cette zone d'atterrissage est désignée cible prioritaire par l'UNSC. La détonation est claire et sonore. Reçu. Verrouillage sur le pylône en acquisition. Détonation dans 3, 2... Contact! C'est le moment de s'accrocher! Six! Vous m'entendez? Vous allez bien? Venez un peu m'aider! J'arrive. Les systèmes ont lâché. On va se cracher. Verrouillez votre armure! Ça risque de secouer. L'équipage est mort, on dégage. Sortez-nous de là. Contrôle, ici Noble 1. Spire 1 paré. Autorisation d'engager. Bonne journée. Reçu, Noble 1. À toutes les unités sol. Frégate lourde, 3-1-8 en approche sur zone. Recours aux munitions AM autorisées. Munitions AM? En atmosphère? Au moins, ça captera leur attention. Accrochez-vous, soldats! Contact. Unité lourde. Oh non! Non! Dites-moi que c'est pas vrai! Frégate Grafton, vous me recevez? Le Grafton a été pulvérisé. Faut qu'on foute le camp. L'apparition soudaine d'un super destroyer Covenant était imprévue. Un rebondissement regrettable. Heureusement, la parade est imminente. 60% des bâtiments de la flotte UNSC convergent sur Reach depuis leur position actuelle. Fleetcom signale que le premier détachement arrivera d'ici 48 heures. Tant que ça? Tu parles d'une imminence? Ah ah. Sur qui tu paries cette fois? Elle. Comme d'habitude, alors. Elle l'a toujours à sa pogne. Cette chose nous taille en pièces. À ce rythme, on y sera tous passés avant l'arrivée des renforts. Nos ogives nucléaires ont été vaporisées avec leurs canonnières. Les autres sont déjà loin. Vous prêchez un converti. À quel point? Je connais ce regard. Vous pouvez dire non? Non. Vous pourriez m'écouter, au moins. Très bien, j'écoute. Vous vous rappelez cet incident il y a 2 ans? Un navire en transit vers Cygnus. 700 morts. Vaguement. Une défaillance du moteur PRL, c'est ça? En fait, il fonctionnait au poil. Les mécanos ont foiré le remontage après une maintenance. Quand il s'est déclenché, la moitié du navire s'est disloquée. Et alors? Quel rapport? Avec un peu d'aide, un certain super destroyer Covenant pourrait subir le même genre de regrettable incident. Même pour vous, Kat, c'est... Inspiré? J'aurais dit autre chose. Il se passe quoi? Ok, expliquez-leur. Vous permettez? Fais gaffe avec ça. L'objectif? Détruire le destroyer Covenant en orbite géosynchrone. Vous approuvez, chef? À votre avis. Ah. La méthode? Utiliser un moteur PRL au lieu d'ogive. Vecteur d'intervention? Nous. Problème? Rejoindre l'orbite. Ça, et mettre la main sur un moteur PRL. Là, je te le rends. En gros...
Ce qu'il nous faut, c'est un transport orbital et un exemplaire du matériel le plus coûteux jamais créé. Je ne suis qu'un simple soldat. Jamais je n'ai eu accès à ce genre de matos. Cela dit, je connais un endroit où on pourra se servir. Le site de lancement du très fictif programme Sabre, ramené au rang de vulgaire rumeur par 3 gouvernements successifs. Et où, bien sûr, notre lieutenant n'a jamais servi comme pilote. T'es flippante, des fois. On n'a besoin que de l'aval du colonel. Ça, c'est pas gagné. C'est vous qui lui demanderez. Oh, jamais il sera partant. Déposer sur le site de lancement. Plus près, c'est vraiment trop tendu. Bien reçu, commandant. Allez vers la plage, Noble. Je suis là, 6. Alerte, pack de retour M-Spec désactivé. Il me faut l'autorisation. Alerte, pack de retour M-Spec. Dépressurisation du cockpit terminée. Ouverture de la verrière armée. Noble 5, répétez. Affichage coordonné 19 par 22. Volontiers, base Sword ONI, secteur 18G. Filtre thermique. Noble 5, votre fréquence cardiaque accélère. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour la base Sword. Le surnombre est trop écrasant. Noble 5. Je sais. Bravo 029, allumage des propulseurs autorisés. Noble 6, ici Hollande. J'écoute, colonel. Nous avons identifié un navire de classe corvette en voie d'amarrage avec l'objectif. Transférer notre bombe improvisée sur cette corvette pour assurer la livraison. Noble 5 se chargera du colis. Votre escadron Sabre dégagera le passage avant abordage. Reçu, colonel. La Savannah a fait cadeau de la rupture spatio-temporelle à la cause. Donc, elle viendra à votre renfort en local. Savannah UNSC, on est peut-être cloué au sol, mais on va vous couvrir. Sur ce coup-là, ma tête est sur le bio pour l'équipe Noble. Ce sera fait, colonel. 6 terminé. Cible corvette repérée à portée de la balise NAV ERA-15. On l'a en visuel. Cible confirmée. Thank you.
collier est en place, colonel. Reçu. 6, menez votre escouade jusqu'à la passerelle. L'opération de ravitaillement avec le super destroyer doit être enclenchée manuellement. Reçu. 5, restez en position et dissuadez les curieux. Avec joie. Vous entendez ça, lieutenant? Je suis en solo par ici. Alors maniez-vous le train, ok? La distance diminue entre la piste de ravitaillement et le super destroyer Covenant. 76 secondes avant contact. Ok, ça se présente mal. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le système de propulsion est HS, et le seul moyen de foutre le camp de ce poids mort, c'est de miser sur la gravité. Et la bonne nouvelle? C'était la bonne nouvelle. À vitesse constante, contact dans 53 secondes. Ouais. Mauvaise nouvelle, le minuteur a grillé. Va falloir que je l'enclenche en manuel. C'est du suicide. On y passe tous un jour ou l'autre. Foutez le camp, 6. Ils auront besoin de vous en bas. J'ai une dette envers Rich. C'est l'occasion ou jamais de la payer. Ne m'en empêchez pas. Faites que ça vaille le coup. Station Gamma, relèvement multiple sous le réseau de défense orbitale. Rupture spatio-temporelle détectée. Ouais, on capte aussi des anomalies. Vous voyez alerte, ça? Rupture spatio-temporelle détectée. Quelqu'un les envoie. Alerte, ils sont partout. Alerte, rupture spatio-temporelle détectée. Alerte. Décollage autorisé. Allez-y, tout de suite.
Le transporteur civil est parti. Vous avez sauvé pas mal de monde aujourd'hui, Spartan. Je répète, ici Noble 2. Noble 5 et 6, vous me recevez ? Ici Noble 6. J'écoute, Noble 2. On a localisé votre transpondeur voilà une heure. Mais impossible de risquer une communication en clair. Les Covenants ont pris le contrôle. Et George ? Il est mort. Compris. Quelle est la situation au spatioport ? Le dernier transport est parti. Ok. On vous ramène au bercail. Votre rapport devra attendre, lieutenant. Les Covenants brouillent toutes les coms vers le commandement. Kat a besoin de votre aide pour les contrer. C'est bon de vous revoir. George, je regrette. Faites-lui honneur. Visez-moi ça. Avant, ça valait le coup d'œil. Mais maintenant... Hé, hey, vous revoilà. La famille au complet, presque. Gardez-les. Il vous les a donnés. Je lui rendrai hommage à ma manière. George disait que jamais il quitterait Rich. Un foutu sentimental, George. Il a donné sa vie en croyant sauver la planète. Son sacrifice devrait nous inspirer. Chef, paraîtrait que Gauntlet, Echo et Red ont été affectés à l'évacuation des civils ? Il s'agit d'ordre confidentiel. On s'en fout. Pourquoi affecter les Spartans aux opérations défensives ? Établissez la liaison avec SATCOM. J'essaie, mais cette console est à peine en meilleur état que feu ma grand-mère. Vous avez éludé ma question. Vous voulez savoir si on perd ? On perd, c'est évident. Je veux savoir si on est foutu. Le colonel Holland... Qu'est-ce qu'il fout sur un canal ouvert ? Écoutons ça. Dans le secteur sud-ouest de la ville. Terminé. Sierra 259. Si vous me recevez, j'autorise la levée des restrictions radio pour basculer sur ce canal. Transmission sécurisée ? Je ne peux plus rien garantir. Les Covenants nous localiseraient ? Possible. Leader Noble, communication de priorité maximale. Si vous me recevez, accusez-le immédiatement. Soyez bref. Ici Carter. Oui, colonel. Activité ennemie, véhicules Covenants multiples, ils évacuent la zone. Et ils ont le feu au cul. Et depuis quand les Covenants se replient sans raison ? Signature radioactive, 40 millions de rune guns. Plus de liaison, il se passe quoi ? L'irradiation a coupé le signal, 90 millions. La source ? Aérienne, proche. À quel point ? À ce point ! Première fois. Pareil. Pas de panique, je m'en charge. Notre meilleure chance, c'est un bunker anti-atomique, à 96 mètres au nord-ouest. Quels sont les ordres ? Réaffectation à la base Sword. Mais...
Elle grouille de Covenant ? Justement. Nos ordres sont de raser le complexe et d'interdire au Covenant l'accès aux données du Dr. Halsey. C'est un peu tard. Peut-être. Mais d'après Holland, les Covenant quadrillent toujours la zone. Et c'est maintenant qu'il leur donne une opération de démolition ? Allez, allez, à l'intérieur! Allez, on se bouge! Fermez les portes! Plus vite! Noble 1, ici contrôle Noble. Noble 1, j'écoute. Rasez-moi cette base, Fils. Quelle est la situation ? Toujours à l'extérieur. Le scan thermique relève des contacts multiples. Va falloir y remédier ou ça risque de faire mal. Reçu, Noble 1. Holland, terminé. Bon, on a du pain sur la planche. Faites ce que vous avez à faire. 10, vous êtes en position ? Affirmatif. Bien. Exécution. On dirait que l'ennemi les a acculés ici. Ou bien ils défendaient la position. Pas sûr. Je vois rien à défendre ici. Aucune colonne porteuse ici. Chef, si on doit raser le complexe, c'est pas le meilleur endroit pour s'y coller. Dot, vérifie le vecteur. Vecteur confirmé. Nous sommes aux coordonnées précises désignées par Loigny. Mes excuses. Données rectifiées. Veuillez confirmer. Rectifiées ? Par une IA inconnue. D'une accréditation supérieure à la mienne. Elle désigne une position à une borne et demie à l'est, 2000 pieds sous terre. Et on creuse comment ? La cuillère ? Chef, je propose qu'on se passe d'IA sur ce coup. Ces coordonnées, c'est du pipeau. On perd notre temps à courir après. C'est quoi, ça ? Notre nouvelle voie d'accès. Ok, autant continuer. Ta nouvelle copine, t'as rien dit d'autre, Dot ? Dot ? Elle vous attend déjà. La totale. Pardonnez-moi ces précautions inhabituelles, commandant. Hélas, la situation l'exige. Docteur Halsey ? Les rapports vous disaient morte. Comme vous le constatez,
Ces rapports ont légèrement exagéré. J'aurais souhaité qu'il en aille de même pour l'équipe Nobel. Comme nous tous, madame. Vous serez ravis d'apprendre que le module de données récupéré à la station de Visegrad contenait précisément ce qu'avait annoncé le professeur Sorvad. Une découverte cruciale. Elle a dissipé les mystères de cette excavation. Je ne comprends pas. Vos ordres n'étaient qu'un prétexte pour vous conduire jusqu'à moi. Vous êtes ici, équipe Nobel, pour acheminer ces données capitales jusqu'en lieu sûr. Docteur, nos ordres consistent à détruire des documents stratégiques. D'autres que vous s'en chargeront. Je dois d'abord en référer à l'état-major. Holland en sera informé. Vous appartenez à l'ONI désormais. Vous contemplez un artefact d'origine inconnue, ni humaine, ni Covenant, d'une technologie au-delà de notre entendement. Mais grâce à Nobel 2, le décryptage de ces données est presque achevé. Quoi qu'on décide, commandant, on a intérêt à faire vite. Préparez les données, madame. On vous rejoint. Le décryptage est en cours d'exécution. Vous ne comprenez pas. Le temps presse. Si les données ne sont pas amovibles à notre arrivée, elles seront perdues. Laissez-les disparaître, et vous condamnerez l'humanité au néant. Commandant, savez-vous pourquoi vos Spartans sont morts? La réponse est ici. Je vous en prie, donnez-moi le temps d'achever mon œuvre. Ce truc. Le savoir, l'héritage d'une civilisation immémoriale. Cette IA en est le gardien. Elle vous a choisi pour être ses vecteurs. Choisi? Par une IA? Par cette IA, oui. La perception qu'elle a de vous est aussi limpide que la mienne. Peut-être plus. Emmenez-la au site de démantèlement naval de l'UNSC à Eusod. Vous embarquerez sur un croiseur Alcyon et quitterez la planète. Je comprends. Vraiment. L'humanité est au bord du gouffre. Lorsque Reach tombera, et je vous assure qu'elle tombera, nous serons condamnés. Sauf si cet artefact nous apprend le moyen de résister au Covenant. Une technologie qui changera la donne. Une révolution d'une ampleur comparable à l'invention de la poudre à canon ou du voyage PRL. Et si nous échouons? On pourrait l'envisager. Si on avait d'autres recours, nous n'en avons aucun. Prenez-la, lieutenant. Elle a fait son choix. Vous l'avez? Oui. Dites-le, s'il vous plaît. Je l'ai. Docteur, Nobel 3 vous escortera jusqu'à la base Kassel. Je n'ai pas besoin d'escorte. June, assurez-vous qu'il ne lui arrive rien. Je ferai le nécessaire, chef. Bonne chance. À vous aussi, June. Quelle direction, Dot? À 3 km au nord, virez à droite au cap 050. Et ça nous mène? Au chantier de démantèlement de Zod, le dernier site d'évacuation extraplanétaire du continent. Des raids aériens de faible ampleur ont décimé plusieurs convois en transit. En outre, des croiseurs Covenant convergent vers le site. Le croiseur UNSC Pillar of Photon attend votre arrivée. Si c'était simple, on serait pas de la partie.
Leader Noble, sollicitez une assistance médicale. Leader Noble, veuillez répondre. Répondez, Sierra 259, vos signes vitaux faiblissent. Pas sûr que cet engin tienne le coup bien longtemps. Et il y a trop de monde par ici de toute façon. Va falloir que vous sautiez, lieutenant. Mais vous... Ne discutez pas. Livrez le colis à bon port. Oui. Vous allez en baver. Émile, allez avec lui, et bonne chance. Ce fut un honneur, chef. Idem. Je m'arrange pour attirer leur feu. Six, cette IA vous a choisi. Un choix très judicieux. Un bon signal. Feu! Un léger problème. Bordel de... On peut le fumer, chef. Non, impossible. Pas sans aide. Commandant, vous manquez de puissance de feu. C'est la taille qui compte. Bien reçu. Défoncez-les, boss. Vous êtes tout seul, Noble. Carter, terminé. Il y a une brèche à l'est. On y va. Recevoir le colis. Ravi de vous voir. Alcée m'avait bien dit qu'on pouvait compter sur vous. Il n'y a pas que moi. Ils ne seront pas oubliés. Un transporteur se dirige vers l'automne. Noble 4, il faut le descendre, sinon on ne sortira pas de là. Vous me recevez ? Vous passerez, capitaine. Passerelle, ici le capitaine. On a le colis. On rentre à l'automne. Terminé. Bien reçu. À qui le tour ? Je suis prêt ! Tu m'accompagnes ? Oh. Oh. Lieutenant, montez ! Il faut qu'on foute le camp d'ici ! Négatif. Je suis armé. Bonne chance, capitaine. Bonne chance à vous, Spartan. Bien joué, Spartan. À tout l'équipage, paré au décollage. En photon. On a décollé. Et le colis est à bord.
Cortana, je veux seulement savoir si on les a perdus. Je crois qu'on connaît tous deux la réponse. Rich n'aura pas tenu longtemps. L'ennemi était impitoyable, redoutable, mais il n'était pas assez rapide. Car vous aviez déjà passé le flambeau. Grâce à vous, on a trouvé l'anneau, dévoilé ses secrets et détruit l'espoir de l'ennemi. Notre victoire, votre victoire, était si proche. J'aurais aimé que vous voyiez cela. Mais vous faites partie de Rich. Votre corps, votre armure... Tout est brûlé et vitrifié, tout, sauf votre courage. Ça, vous nous l'avez donné. Et avec, nous pouvons tout reconstruire.